jour, je vais vous lire un autre extrait de 100 millions d'années un jour. On m'a demandé de vous lire un passage qui me plaît particulièrement. Je vous lis donc un petit extrait qui m'est très cher. C'est une des dernières choses que j'ai écrites avant la publication de ce livre. Et c'est un petit peu étrange, c'est pour ça que ça me plaît. S'occuper l'esprit, jour après jour. Liste de ce que j'aime. Les chiens. Le miel, celui qui coule. La couleur, n'importe laquelle. Les trains, les matins de septembre, les matins de moi qui n'existent pas mais que je peux inventer, qui me le reprochera. Les chapelles où personne ne va plus, celles creusées dans la nuit par des années de patience. Les tunnels et la lumière qui clapotent au fond, les baleines, les silences au pluriel. Et l'Amérique, bien sûr. Liste de ce que je n'aime pas. Le silence singulier. Le vent du nord, l'indifférence qui tient froid, le jaune d'œuf. Mon deuxième orteil plus long que le premier, le blanc d'œuf. Avoir 10 ans sans ma mère, 11, 12, 13, 52, décidément ça ne passe pas. Liste des femmes que j'ai aimées. Non, assez de liste pour aujourd'hui.